Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'écriture de la lettre K en écriture cursive. On va d'abord voir le K minuscule et ensuite le K majuscule. Donc, n'hésitez pas à utiliser un papier de ce format afin de bien respecter les bonnes dimensions pour vos caractères. Donc, concernant la lettre K minuscule, on va commencer entre la ligne 0 et la ligne 1. Ensuite, on va monter de manière légèrement oblique jusqu'à entre la ligne 2 et la ligne 3. On revient de manière verticale jusqu'à la ligne numéro 0. On revient pratiquement jusqu'à la ligne 1. On revient jusqu'à la moitié de la partie entre la ligne 0 et la ligne 1. On repart et on fait une attache sur la droite. Donc voilà pour le K minuscule. Donc on se positionne entre la ligne 0 et la ligne 1. On monte de façon légèrement oblique jusqu'à la ligne entre la ligne 2 et la ligne 3. On revient à la verticale jusqu'à la ligne 0. Ensuite, on remonte jusqu'à pratiquement la ligne 1. On fait une boucle, on revient jusqu'à la moitié de la ligne 0 et de la ligne 1. Ensuite, on repart pour faire une attache sur la droite. Donc, je vous conseille d'en écrire plusieurs. Ok. Donc, ça, c'est le K en écriture cursive minuscule. Et voici pour un dernier. Maintenant, on va voir le K en écriture majuscule. Donc, vous allez légèrement en dessous de la ligne 2. Vous faites une boucle au-dessus. Vous partez sur la droite. Vous refaites une boucle. Vous redescendez à la verticale. Et vous faites une courbure sur la gauche. Ensuite, vous positionnez légèrement en dessous de la deuxième ligne. Vous faites une courbure. Vous redescendez jusqu'à la ligne 1. Vous repartez jusqu'à la ligne numéro 0 et vous faites votre attache sur la droite. Alors, vous vous positionnez légèrement en dessous de la ligne 2, vous faites votre boucle juste au-dessus, vous redescendez jusqu'à la ligne 0, vous faites votre attache sur la gauche, ensuite vous repartez au niveau de la ligne numéro 2, vous faites une courbure qui revient sur la barre verticale que vous avez fait tout à l'heure, vous allez jusqu'à la moitié de cette barre verticale, vous repartez et vous faites une attache au niveau de la ligne numéro 0. Donc, on va en faire plusieurs. Donc, ça c'est le K en écriture cursive. Et un dernier pour finir. Voilà, à bientôt!